jamais autant fait ma valise que ces derniers jours. Je suis partie de Lyon hier, je suis revenue à la maison aujourd'hui. Et demain à 5h30 on a le train pour aller à Paris avec ma mère, parce qu'on va à Paris pendant 3 jours. Enfin du mardi au vendredi. Vendredi on repart à 21h30. Non, on repart à 17h30 et on arrive à 21h30. Donc écoutez, je suis en train de faire ma valise. Comme d'habitude je prends beaucoup trop. Et aujourd'hui on était à la plage, on a fait un pique-nique, c'était trop cool. Donc voilà, on se retrouve pour un petit vlog. En fait j'ai même pas contextualisé, bonjour. Je vous retrouve demain matin dans le train. Et en plus ça rime. À demain. Il est 5h27. On part. Nous sommes arrivés à Paris. Pour l'instant on est à la recherche d'un café. On doit où se poser et manger, il est 9h30. Regardez le ciel, il est un peu gris. Mais au moins on meurt pas de chaud. Ok, on allait chercher des tickets, on s'est posé, on a bien fou. Là, on prend un deuxième métro. C'est tout vite, c'est tellement bien. Pas personne dans les rues. Et vous allez voir, je vais sortir de ma zone de confort parce que je vais essayer de filmer devant les gens. Bon, à Paris, ce sera surtout des vlogs au téléphone parce que je ne prends pas ma caméra. Là, on se dirige en direction de la Villette. J'y suis déjà allée pas mal de fois avec mon frère. Là, on est avec ma mère. En vrai, je sais même pas ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des trucs de JO. En vrai, j'en sais rien du tout. On a toujours le ciel gris. Mais croyez-moi, il fait chaud. J'aimais trop me poser là, boire un café. Mais là, c'est fermé. Update de la Villette, je crois que j'ai rien filmé à la Villette, mais en fait c'est que pour les petits et tout est fermé parce que les JO c'est terminé, donc il n'y a rien. Donc au final on se retrouve chez Jiffy, on cherche un pouf éventuellement pour mon frère. Le Jiffy est juste immense. Attendez, je vous montre. Enfin nous on n'est pas habitués parce qu'on habite à la campagne. Je pense que vous vous rendez compte là, l'étendue et en plus tout le haut. Le plafond est tellement bas, j'ai l'impression d'être hyper grand. La marque des lunettes sur le nez. On est à côté de la Cité des Sciences et vraiment ici, il n'y a personne, donc on se demande juste est-ce qu'on a le droit d'être là. Et là, regardez, attends maman, tu vas pouvoir sortir ta science. C'est la géode de la Villette. On a trouvé un poster Batman pour mon frère. Pas de tabouret, mais un poster. Là, il est 20h30, je crois. Nous avons joué à un petit jeu de société, c'est très sympa. Et on va à Montmartre pour voir. Donc, c'est trop cool. Ça fait 30 ans que t'es pas là à Montmartre. 30 ans, mais ça va pas, non? J'ai dit, ça fait très longtemps. Ah oui. C'est parti, on a 25 minutes. Reporter, parce que j'essaye de vous vloguer un maximum et de pas vous oublier. Je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog. On allait boire un petit verre à l'ancien travail de mon frère. J'ai bu un pain, c'était un martini. Ça faisait un an que je n'en avais pas bu. Et maintenant, nous allons juste nous balader un petit peu dans les rues de Montmartre parce qu'en fait, je pense que vraiment Montmartre, c'est mon endroit préféré de Paris. Je suis trop bien à Montmartre. J'adore l'ambiance de Montmartre, j'adore les lumières. N'hésitez pas, vous, à me dire à quel endroit de Paris vous préférez être. Nous allons partir nous balader. On va marcher un petit peu. J'ai la même tête tous les jours et ça va être plutôt sympa. Ah oui, et cet après-midi on fait les bottes de chamotte. Les bottes chamottes. Cet après-midi on fait quoi, les bottes chamottes? Les buts de chaumont. Les buts de chaumont. Je sais pas pourquoi j'ai les bottes de chamotte dans la tête. Ok, là on se dirige vers le Marais, on a 45 minutes de marche, on y va tranquillement, c'est trop cool, comme ça on va regarder un peu le quartier, à quoi ça ressemble. Nous avons marché pile le temps qu'avait prédit le téléphone, le Maps, nous sommes arrivés. On a l'architecture, mais bon pas encore trop, hein. Je sais pas si on y est vraiment vraiment, j'arrive pas trop à me rendre compte.
On a déjà fait presque 10 000 pas, on s'est posé dans un café, ça nous a fait trop du bien. Je pense qu'on avait besoin de vraiment de boire quelque chose et de s'asseoir un petit peu. On aime beaucoup ce petit quartier. En vrai, c'est un quartier. Ouais. C'est beau. Je pense qu'il faudrait qu'on en fasse d'autres. Je sais pas trop lesquels encore. Nous sommes jeudi, je vous montre mon outfit. J'adore cette tenue, ce pantalon il est hyper frais et du coup il permet de ne pas avoir chaud. C'est génial. Nous allons en direction des Champs-Élysées. Hier j'ai pas vlogué parce qu'on est rentré vers 18h et juste on s'est posé et j'ai fait découvrir ma mère la flamme. Je crois qu'elle aime bien. Donc voilà, on va au champ, trop cool. Je pense qu'il y aura pas grand monde et j'ai l'impression que ce vlog j'ai filmé énormément de choses mais qu'il va durer 2 minutes. Au final, sous les ordres de ma mère, on s'est arrêté à Opéra. Comme ça, on va de Opéra, République à pied. Et c'est aux Champs-Élysées, pardon. Et comme ça, au moins, on profite. On est à la place Vendôme. Il y a personne, c'est trop bien. On a fait les Champs-Élysées, on s'est posé boire un petit coup parce qu'on avait hyper soif et là ce qu'on fait c'est qu'on se dirige vers la Tour Eiffel comme de bonnes touristes. Ensuite on rentrera. Une fois qu'on sera rentré, ce soir on va à l'hôtel très particulier à Montmartre. Comment maman, est-ce que tu aimes ton voyage pour le moment? Oui. C'est juste en fait le seul truc qui est dommage, c'est que on a marché avant les Champs, mais tout est barricadé à cause des JO. Donc on n'a pas de belle vue sur la Tour Eiffel ou quoi. Il y a le soleil aujourd'hui qui s'est pointé. Ma mère, c'est vraiment ma photographe assistante. Dès qu'il y a un petit coin, là on prend les photos. Donc en vrai ici c'est bien parce qu'au moins on fait plein de contenu. Donc on se dirige et je vous retrouve quand on est à la Tour Eiffel. J'ai l'impression que je vous parle jamais. Je suis désolée, je vais vous parler promis. Ce vlog en fait, vous savez ce que c'est? C'est un vlog de tourisme. Voilà ce que c'est un guide touristique. Bon, on s'est posé pendant bien 4 heures, je pense. Je vais pas réussir sans miroir. Et là, on va se diriger vers le bar. On s'est regardé le flambeau, parce qu'on a terminé la flamme, on s'est regardé le flambeau. En fait, mon crayon à lèvres, il est beaucoup trop clair, je trouve, mais celui-là, il est pas assez bien taillé. Celui-là, je l'aime trop, la couleur. Maintenant quand je fais un combo lèvres, avant j'en faisais jamais, mais maintenant j'aime trop faire des combo lèvres. Et en fait ça tient toute la journée, alors que pourtant je bois, je mange, mais ça tient, c'est trop bien. 79 marches à monter, c'était pas prévu. Du coup, nous sommes allés boire un verre. C'était très bon. En fait, mon frère, c'était le barman. Du coup, on pouvait demander ce qu'on voulait. Il m'a fait un truc sucré avec un tout petit peu d'acidité. En vrai, c'était trop trop bon. Là, on se rentre à vie. C'est Lily qui dit ça. Là, on rentre. On va se poser. Et demain, c'est le dernier jour. Et demain, on a dit qu'on faisait le quartier latin. Et Saint-Germain-des-Prés, si on peut, on fait ça. Et je pense que ce vlog, il sortira jamais dimanche. Ah ouais, il faudrait que je fasse le montage demain, dans le champ. Ce serait vraiment très judicieux de ma part. Nous sommes bien rentrés, nous sommes fatigués et nous allons juste dormir. Donc je vous dis à demain. On s'est levé vers 9h30, on s'est levé 10h, on s'est levé vers 10h. On va à Châtelet et ensuite on va marcher jusqu'au quartier latin. Bon, au final on s'est arrêté pyramide mais c'est exactement là où on était hier. Ah, je suis venue là avec elle la dernière fois. Mais on part dans l'autre sens donc on va voir autre chose, c'est cool. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de monde. Peut-être les gens reprennent le travail, ils reviennent après le jour férié. Exactement ce que tu me disais, j'ai aucune personnalité. Et aujourd'hui pour notre dernier jour, le soleil il tape. Il fait très chaud. Un peu triste de partir mais quand même hâte de retrouver nos lits parce qu'on commence à avoir mal au dos sur les maths là. Mais ça m'a tellement manqué de partir vers 10-11h, d'aller se promener, de visiter, de voir de nouveaux paysages tous les jours et d'activer mon corps en fait. Parce que chez moi je marche 500 pas, je marche jamais 20 000 pas. Ici on marche 20 000 pas tous les jours. Et on a fait notre sport pour l'année entière, même pour l'année 2025. C'est ça
ça qui est bien quand on s'arrête un petit peu avant nos arrêts, c'est qu'on voit un peu tout. Bon, évidemment, ça on l'a déjà vu, le Louvre, mais on aime bien le revoir. Moi, je l'ai jamais visité. Ah, c'est là que pour rentrer. Il m'en a fallu peu pour être heureuse. J'ai fait coucou à un bateau, ils m'ont tous fait coucou. Ça, c'est les gens comme ça qui rentrent dans ton délire. Si t'es tout seul dans ton délire, c'est un peu gênant. Mais là, du coup, c'était cool. J'espère que ma vie si intéressante vous intéresse toujours autant. Finalement, nous allons d'abord à Saint-Germain-des-Prés. On n'est pas trop sûr, on ne sait pas si le quartier latin et Saint-Germain-des-Prés s'est rattaché. J'ai jamais goûté des macarons de la purée. Le nombre de personnes qui doivent filmer la devanture sans jamais venir ou acheter, j'en fais partie du coup. C'est bien parce que je viens vraiment presque tous les ans à Paris, mais j'ai jamais autant visité, il y a plein de choses que je connais pas. Et en fait, c'est là qu'on se dit quand même c'est assez grand. Hein. Enfin bon, comparé à Annecy, c'est sûr que c'est grand. Il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose, c'est trop bien. Apparemment, nous sommes arrivés dans le quartier latin. Alors, on s'attendait à ce que ce soit vraiment tout petit, un peu comme le Marais. Au final, c'est plutôt grand. Après, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Des cafés comme ça, qui est-ce que j'adore? Dans ce quartier, je sais pas si ça, on peut appeler ça un quartier, je pense. Il y a que des librairies, des BD, des livres anciens. Si un jour je vis à Paris, il faut que j'habite ici. Chose qui n'arrive qu'à nous, on est parti 1h30 avant pour avoir le train à l'heure et arriver 1h en avance. Le métro juste avant était complètement bloqué, donc on a dû sortir et marcher avec cette valise. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle est limite aussi grande que moi. On chope le RER et on va dans le train et on espère l'avoir, mais on l'aura. Nous avons eu le RER. On a 20 minutes d'avance, heureusement qu'on est parti 1h46 en avance. Donc trop cool, dernier moment à Paris. Pour le coup, on a dû passer par les Galeries Lafayette. C'était rempli, blindé de monde. Même là en vrai, c'est vraiment blindé de monde. Et comme ça, pendant le trajet, je vais pouvoir faire le montage de la vidéo. Dans le train. Nous sommes aujourd'hui samedi et je suis de retour à la maison. Ça me fait tellement bizarre d'avoir une qualité comme ça. J'ai filmé toute la semaine avec mon téléphone, donc ça me fait trop bizarre de retrouver la qualité de mon appareil photo. Je vous ai pas attendu, j'ai déjà vidé ma valise. Hier on est rentré à 2h du mat, enfin on est arrivé à 21h sur Annecy. Mais après on est direct allé voir de la famille, donc ce matin je me suis levée à 11h30. Des années que je me suis pas... Enfin, ça fait longtemps que je me suis pas levée à 11h30. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais démarrer une nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que je coupe cette vidéo et j'ai tout le montage à faire pour demain, même si j'ai déjà bien avancé dans le train hier quand même, heureusement. Donc le trajet est passé à une vitesse folle, c'était trop bien. Je suis consciente que c'était assez court, mais j'espère quand même que ça vous a plu. C'était plutôt un guide touristique la vérité, mais c'est pas grave. Écoutez, je me dis dans tous les cas, ça me fait des souvenirs, c'est tout le temps mon excuse, vraiment ça me fait plein de souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.